Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Europa Universalis 4 où nous sommes en multijoueur avec Xalorian et nous jouons les pays mésopotamiens. Non, pas mésopotamiens, mésoaméricains. Putain, je vais jamais y arriver avec ce truc. Ça va Xalorian? Ça va très bien, oui. Bon, j'arrive la pause, hein. On y va, hein. Moi, j'ai des guerres à finir, là, parce que j'ai une religion à réformer. Moi, ça va. Toi, t'en étais où, là, déjà? Ouais, quand même relativement tranquille pour moi pour, je pense, les quelques prochaines années. J'ai quelques problèmes de ruines. Puis, comme je viens de faire ma nouvelle réforme dernièrement, j'ai plus d'alliés et j'ai plus de vassaux. Donc, tout le monde veut ma peau, en gros. Je vais essayer de m'assurer de pas me faire... Merde. Siège des apothèques se termine, une offre de paix des apothèques. Ouais, ben ça, vous attendrez que je sois prêt. Bonjour à Boulanger du Soie qui vient de rejoindre le stream. Bienvenue. Yeah, récolte abondante. Alors, est-ce que je fais une annexion totale? Comme une brute. 11 d'expansion agressive, mais ça, j'ai presque envie de dire qu'on s'en moque un peu. Qu'est-ce que j'ai comme revendication? J'ai 3 revendications. Ouais, c'est bon, j'y vais. Hein. Annexion totale. Qu'est-ce que ça a l'air, les technologies de ton côté? Est-ce que tu t'en sors pas trop mal, pas trop? Attends, je suis en train de légitimer massivement mon ennemi. Je te dis ça tout de suite. Mais je crois que j'avais bien avancé en termes de techno, si je me souviens bien. Je suis 3-3-3. Ah, même chose. Mais je viens tout juste d'avoir le 3-3-3. Donc, je pense que je viens d'avoir la technologie militaire. J'ai été longtemps en technologie militaire 2. C'est... Ouais, mais c'est parce que t'avais un rouleur pas génial. Ouais, non. Ben, il est pas plus génial. Remarque, mais il est moins bien en technologie militaire, le mien. 4-2-3, hein, ça va, le nouveau est super. En plus, il y a une revendication forte. C'est vrai, j'avais, je pense, un 004 ou quelque chose comme ça. Là. Le prochain les Totonacs est 334, font des... Génial. Les Totonacs ont fait une revendication sur un de mes territoires. Oh my god. Oh non. Alors, cas, j'ai si une nouvelle... Mets... J'ai plus assez de rivaux. Mais t'es le seul que je peux désigner. Je vais fortifier. C'est cool comme mission. Et quoi, c'était ça. Et du coup, je pourrais faire ma réforme religieuse quand... Ah merde, il me manque une ville. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Zut, il m'en manque une. Bon bah, ça va être les Totonacs. Ouais, du coup, allié à Empire Tarasque, est-ce que je suis en trêve contre eux? Oui, jusqu'en 15-14. Puis là, d'ailleurs, donc si je rejoins ta guerre avec toi, est-ce que ça brise ma trêve? Oui, hein, probablement. C'est une guerre offensive, ouais. Oui, on me dit dans le chat que je suis blindé de thunes, effectivement, c'est vrai. Je suis blindé de thunes. Ah d'ailleurs, j'ai pas de conseiller, je pourrais peut-être en prendre. Ah, agitation nationale, ça va m'aider. Je viens de combien par... Oh, 375, je me fais. Pas mal ça. Oh, la quête de vision. Allez. Puissance d'espionnage, pas trop intéressant. Défense du fort, modificateur d'entretien militaire. Ah merde, il vient de disparaître sous mes yeux. J'avais un conseiller, modificateur d'entretien militaire. Et j'ai même pas eu le temps de cliquer dessus, qui s'est barré. Ouais. Le mec, il s'est dit, hop, moi je veux pas, moi, ça m'intéresse non, pas. Non. Je prends ma retraite. Ouais, juste direct. j'ai presque envie, ouais, j'ai quand même un gros paquet de points d'admin. Ah mais c'est vrai qu'on va avoir nos premiers groupes de doctrine. Dans les commentaires, on me dit arrête de vendre de la drogue. J'ai trop d'argent, c'est pour ça. Ouais, mais c'est que du liquide, tu vois, c'est que du cash. Je peux pas les couler, c'est pour ça en fait. Ah oui, d'accord, oui. En même temps, avec ce fric, on peut construire que des remparts de terre, quoi. Tu vois, c'est un peu la loose. Oh, Colima me propose une alliance. Merci, c'est gentil. Ouais. Ouais, non, j'ai bon, un allié maintenant. Au registre local. Joli. J'ai eu comme un doute pendant une seconde. Et je croyais que j'avais oublié de lancer l'enregistrement de l'épisode, tu sais. Bon, c'était pas grave, après tu peux le récupérer sur Twitch. C'est l'avantage, ah ouais, mais... Ouais, et bienvenue à Acha, comment ça va, Acha? Salut Acha. T'es en guerre contre les Totonacs? Ah non, c'est Tlaxcala. Non, exact. Le petit gars, là, le petit gars 1, hein, il a... Oh putain, perdu un de stabilité.
Avec mes nouveaux rivaux, est-ce que j'y vais pour les Mystèques ou les Tlapaniques? Tlapaniques, tiens. Et Empire Tarrasque. Alors, c'est où que j'ai des gros problèmes en fait. À Tochtepec, c'est où Tochtepec? D'accord, donc on va mettre notre armée là-bas. Je risque d'avoir un putain de soulèvement sur les bras sinon, et ça, ça serait pas cool du tout. Donc je vais quand même booster la stabilité, même si ça coûte cher, c'est pas grave. Alors, on me demande dans le chat si Europa Universalis 4 vaut autant que Crusaders Kings 2. Alors, c'est très personnel. Ouais. Je dirais, vas-y, dis ce que t'en penses, toi. Moi, je trouve que oui, sans aucun doute, même plus facile d'approche, plus facile d'introduction quand même, à mon avis, que Crusaders Kings dans cet univers-là. Mais si t'es déjà un fan de Crusaders Kings 2, je te conseille de te lancer sur Europa. Bon, c'est sûr qu'après, c'est pas le jeu le plus... Il est à quoi? Une quarantaine d'euros, je pense, présentement? Ouais, tu peux avoir le pack complet pour pas trop cher, je trouve, quand même, maintenant. Donc c'est quand même pas si mal, exact. Mais on est dans la même lignée, là. Ça reste un jeu paradoxe, mais vraiment, là... Ouais. Bah écoute, moi, ce que j'en pense, enfin... Je pense pas qu'on puisse dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Je préfère Europa sur certains aspects, notamment la négociation de guerre, qui est quand même ultra, un des meilleurs systèmes de négociation de guerre qui existe à mes yeux dans un jeu. C'est vraiment très très poussé ce qu'ils ont fait et j'aime beaucoup ça. Ouais, j'avoue, hein, juste de pouvoir. Mais après, en fait. Donc diviser les requêtes puis tout ça là, à la fin d'une guerre, c'est vraiment... Ouais, voilà, en fonction du score de guerre, c'est vraiment très bien foutu, ouais. Mais non, effectivement, en fait, moi, la première fois que j'ai joué à Europa, ce qui m'a un peu déçu, c'est qu'il manquait ce côté jeu de rôle, quoi. Tu vois, le fait d'avoir des enfants, de les éduquer, tu vois, de les regarder grandir, et puis après de prendre le contrôle, de continuer. Ce côté jeu de rôle qu'a Crusader King, je le trouve génial, quoi. Franchement, c'est son gros point fort. Mais d'un autre côté, sur certaines mécaniques, il est quand même vachement plus simple... Crusader King, ils sont très différents tous les deux, quoi. Europa est concentré sur la gestion d'une nation, alors que Crusader King, c'est des relations entre des personnes, tu vois. Alors que là, c'est des relations entre des nations. Donc, les jeux sont très différents. C'est l'écart d'une nation plutôt qu'un personnage. Ouais. Donc, à ce moment-là, il y a très peu de politique interne, mais il y a beaucoup de politique externe, donc avec les autres nations. Puis, ça devient relativement. Ça peut devenir. Complexe à ce niveau-là, puis justement super intéressant, mais c'est sûr que si c'est le côté un peu plus jeu de rôle, puis ceux qui nous intéressent, bien clairement, on l'a presque pas du tout sur Europa Universalis 4. Au début, moi aussi, ça me dérangeait quand j'ai fait la transition Crusaders sur Europa, mais très rapidement, c'est devenu le contraire. Donc maintenant, quand je joue à Crusaders King, les trucs de Europa me manquent beaucoup plus que ce que les trucs de Crusaders me manquent sur Europa maintenant. Exactement. Mais c'est aussi le fait que Crusaders... En fait, Europa... La toute première partie, si t'as jamais regardé de gens y jouer, t'es complètement perdu, tu sais pas quoi faire, tu comprends pas à quoi servent les choses, enfin c'est vraiment l'horreur. Mais moi j'ai regardé vraiment beaucoup de vidéos au début avant vraiment de me décider à me lancer dedans. Et après depuis j'ai refait une ou deux, j'ai rejoué un petit peu à Crusader à côté. Et je compte faire du Crusader d'ailleurs sur la chaîne, hein, je veux dire, ça c'est certain. Mais Europa est tellement, putain, il est trop cool ce jeu, quoi. Ouais, effectivement, ouais. Ça fait quand même un bon moment de mon côté que j'ai pas retombé dans Crusaders. Puis j'ai acheté tous les DLC depuis un... Ouais, pareil. Je les ai tous. Mais on dirait que c'est ça. Je peux difficilement investir sans me dire « Ah, je pense que je m'en mets jouer à Europa. » À chaque fois, passer une heure ou deux. Donc... Moi, j'ai même pas pris Charlemagne pour l'instant, mais je me l'achèterai quand je démarrerai une série dessus. Donc on me dit « C'est dans le genre civilisation. » Ben, dans le côté où tu es une nation plutôt qu'un personnage, on peut dire que oui, mais dans le côté, dans la complexité du jeu, ça demeure quand même un grand strategy. Je pense qu'on se rapproche quand même plus de Crusaders, par exemple, que d'une civilisation 5. Oui. Bon, après, en plus, on joue une période de l'histoire c'était la Renaissance, quoi. Donc, en fait, on a quand même des grosses évolutions de technologie qui sont sympas avec l'apparition des canons, ce genre de trucs, quoi. Donc du coup, la guerre est assez différente par rapport à Crusader King, où là, on lève des troupes après la déclaration de la guerre, ce genre de choses. T'es salut Sif, bienvenue sur le stream. Et comment te dire? Mais franchement, moi, je trouve que ça a absolument rien à voir avec Civilization, quoi. J'aime bien Civilization, mais
c'est tellement différent, franchement. Ils sont pas comparables, ces jeux-là. En fait, bon, les points forts de Crusader et de... Enfin, ce qu'apporte Europa, que n'a pas Crusader, c'est que t'as la carte du monde en entier, déjà. Je veux dire, là, c'est le monde entier qu'on peut explorer et conquérir. C'est quand même la classe, quoi. Je veux dire, c'est génial de pouvoir aller coloniser les Amériques avec la France, essayer de faire en sorte de créer les États-Unis d'Amérique français, par exemple, tu vois. Enfin, essayer de réécrire l'histoire, quoi. Je trouve qu'Europa est plus proche, entre guillemets, de l'histoire que Crusader King, ou dans Crusader King, vraiment, au bout de 100 ans, ça part complètement en cacahuète, quoi, par rapport à l'histoire. Et je trouve que Europa, on a un peu les mêmes effets, mais on reste quand même dans des choses un peu plus proches en même temps, quoi. Sûr qu'il y a un aspect clairement... Bah après, c'est vrai, ouais. Mais, donc oui, c'est vrai que les jeux sont fondamentalement extrêmement différents, là, entre, par exemple, une civilisation ou un Europa, mais... si on aime le côté incarner une nation, si on aime le côté développer sa nation, si on aime le côté politique, diplomatie, il y a quand même plus d'options de diplomatie qui se recoupent entre, par exemple, un Europa Universalis 4 et une civilisation qu'un Europa Universalis 4 et un Crusader. Où, finalement, c'est vraiment des idées. Il y a très peu de diplomatie. Tu as de la politique avec ton personnage et les autres de ta nation, mais c'est tout. Tu sais. Très peu, sinon, de choix, justement, durant les guerres ou de politique externe. Puis, je peux comprendre comment quelqu'un qui voudrait passer à quelque chose de plus complexe suivant civilisation pourrait retrouver quelque chose de plus fun dans Europa que sur Crusader, par exemple. Mais... Merde. Après, mon roi est mort. Ah, oups. Est-ce que t'as une régence? Ouais. Mais ça va, j'avais déjà déclaré ma guerre. Et l'autre, il a 11 ans, donc c'est bon. Je devrais le faire. Bon, j'ai au moins été en mesure de diminuer ma ruine. Salut, avec Rayo. Seulement des petits événements, mais malheureusement, de mon côté... Oh putain, le hit en légitimité que j'ai pris, j'étais à 100, je suis passé à 56. Ah, oh. Abusé. Là, par contre, moi, je te raconte pas l'agitation. J'étais, je pense, à 30. Ça va, c'est bon. Couper lui les ouais, cheveux. Moi aussi, à un moment donné, j'étais bien tombé. Donc, est-ce que je vais perdre la ruine? Moi, j'ai encore eu de l'événement tout à l'heure. Ne sacrifiez que les enfants s'ils sont auto-orphelins. Oui, ça va. Ah, encore bon. Heureux. Ouais, les orphelins, de toute pourquoi façon. Pourquoi je suis en guerre? Ah, merde. Oh. Je me suis retrouvé en guerre contre Tlaxcala et Totonac. Pourquoi? Parce que Tlaxcala a vassalisé les Totonacs, bout du con. Le petit truc de rien du tout juste à côté de toi a vassalisé le grand truc à côté, quoi. J'hallucine. Ils ont comme profité de l'occasion, j'ai l'impression, là. On va dire ça. Non, ils avaient déjà déclaré la guerre avant, en fait. Ah, ok. Ils étaient en guerre. Il y a les Portugais qui ont commencé à coloniser, je pense, les Caraïbes. Parce que j'ai vu un bateau... d'une nation coloniale du Portugal. Bouf. Donc le fun va commencer. Ouais, le fun, c'est le même fun que Dwarf Fortress, c'est ça? C'est un peu ça. Tu veux rentrer en guerre contre Tlaxcala? Est-ce que je peux t'inviter? Non, je peux pas t'appeler aux armes. Ah, ce qui arrive, c'est que j'ai encore une trêve, moi, contre tous ces... Ah merde, t'as encore une trêve? Jusqu'à quand? Jusqu'en 15-14, ça s'en vient, mais... 15-14, ouais. Ça vient, c'est pour très bientôt, mais ça va pas le faire. Bon, je vais écraser leur armée. Je pense que mes 10 000 hommes devront suffire. Ouh, ça commence mal. Ouais, quand même, 10 000 hommes, quoi, merde. C'est en quoi, comme technologie? Oh là là... technologie militaire 4, les taxes 4, ils, voilà. Ils sont 4? Ah merde. Ouais. Ah, c'est peut-être pour ça. C'est est-ce que je peux construire plus... Ouais. Peut faire quand même, plus de troupes. Donc, tactique militaire, point 25, on a morale du pays. Ouais. Le 4, il est très bien. Ouais, feu, putain, moi j'en suis super loin. 0.5 de choc sur les. Ouais. Sur les infanteries, ouais. J'en suis très loin, moi en plus. Vous êtes alliés dans le jeu, mais incarnez une nation chacun. Exactement, moi, on a commencé au tout début. On était très très éloignés, mais disons que nos frontières sont extrêmement approchées, donc. Jay incarne le Maya. Là, elles sont côte à côte moi, même. J'incarne les Aztèques. Comme tu peux voir, je suis vraiment plus petit
Par contre, moi, mon but, c'est d'avoir des vassaux plutôt que d'avoir des territoires. Et pour les Mayas, c'est vraiment d'avoir le plus de territoires possible pour faire ces réformations religieuses. Ces réformes religieuses. Ouais, bref. Oh, des prétendants à Mexico. Ah, toi aussi, t'as des prétendants. Ouais, je vais aller m'en occuper vite fait. J'ai un viewer qui me dit les maçons du cœur arrivent, c'est les Portugais. Ouais. Salut Batman, Batman 81. Ah mais c'est. Bienvenue. C'est mon cousin. Ah voilà. Yeah, instabilité, ça fait du bien. Allez, écrasons cette armée. Hein. Quand même 13 000 hommes contre 2000. C'est quoi cette bande d'incompétents que j'ai? Quand même, ils ont réussi à avoir déjà la technologie militaire 4, c'est assez incroyable. Ouais, c'est assez violent quand même. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de les piéger, faire en sorte que ce soit eux qui m'attaquent. Les Tarasques aussi sont en technologie militaire 4. Mais tu me le dis dès que ton traité de paix est fini, parce que c'est dans un an, je pense qu'on sera encore en guerre, et je t'invite dans la guerre dès que ton traité est fini. Parfait. Les territoires en couleur, c'est le vassal. Ben, en fait, donc c'est possible de forcer, quand on gagne une guerre contre un autre territoire, de le forcer comme, en tant que vassal, donc de le vassaliser finalement. Et présentement, j'ai pas de vassaux parce que je viens toujours de faire ma réforme, ce qui me retirait tous mes vassaux. Mais, donc mon but, c'est finalement de déclarer les guerres là, aux voisins. Donc, je suis comme ça. Ça devrait marcher, la merde. Et de les forcer à se laisser vassaliser. Pour ensuite sacrifier leur monarque aux dieux pour éviter la fin du monde. Et ils sont tombés dans mon piège, mais direct, quoi, les mecs. Voilà, j'ai gagné. Ah, super. J'espère que je vais les finir, là. Un stack wipe, ça serait cool. Yes, stack wipe. Je vais rester sur leur terre. Voilà. Et puis, je vais faire un carpet de siège de son vassal. Bon, technique Northern Lion, zoom in, zoom out. Technique Zorgan. Zoom in, zoom out, zoom in. Technique infaillible, hein, attends. Ouais, quand même, on ajoute un facteur fun là, aux vidéos tout de suite. Ah, mais vraiment, ils faisaient bon, ça. C'est bon, ils sont défaits. En son point de vue, dans bon, si tu veux. En mai, je t'invite quand même dans la guerre, comme ça tu peux peut-être faire une separate peace pour les vassaliser, non? Ah non, parce que si tu es vassalisé, je me retrouve en guerre. Non, je me retrouve en guerre contre toi. Donc c'est pas la peine, je t'invite pas. Tu déclares ta guerre dès que j'ai fini la mienne. Et ce que je vais faire, c'est que dans le traité de paix, je vais briser sa vassalisation. Ah super, merci. Ce serait parfait, ouais. Juste espérer que les Tarasques en profitent pas. Quoique les Tarasques se font complètement détruire par mon allié, c'est parfait. Donc, je suis arrivé avec les Colimas juste ici. Puis, même s'ils sont en technologie militaire 3, ils ont quand même réussi à complètement détruire les armées des Tarasques. J'ai aucune espèce d'idée comment, d'ailleurs, sachant que les Tarasques ont même plus de taxes de base en territoire. Donc, devraient avoir une force limite supérieure. Mais bref, parfois, l'intelligence artificielle laisse à désirer. Alors, c'est quoi cette flotte? Les techniques de zoom? Caraïbes, ouais, c'est la flotte des Caraïbes. Donc, les Portugais doivent être par là. Il s'approche, petit à petit. Je vais prendre un colon, moi, dans la prochaine réforme, pour commencer à m'étendre vers le sud. Aussi, je pense. Et je me tâte en premier groupe d'idées à prendre les idées d'exploration, hein. Franchement. Hein. Ouais, remarque, deux colons, je sais pas si je pourrais les soutenir financièrement. Non, je me dis que je pourrais pas de toute façon, de mon côté. Peut-être prendre les doctrines militaires? En même temps, ce serait quoi l'alternative? Peut-être... Doctrine diplomatique pourrait être d'attaque. Sympathique de mon côté. Ouais, ou les idées relatives à l'influence pour toi. Hein. Ouais, ouais. J'aurais tendance à penser. Hein. Quoique les revenus sont très faibles de mes vassaux, parce que de toute façon, on sait pas où on en est. Alors, stream avec Zalorian, on devrait faire 3-4 épisodes, donc il devrait durer 1h30, je pense.
Et ensuite, on fait probablement un autre stream. Enfin, c'est pas encore décidé avec certaines études, mais on devrait peut-être faire un autre stream avec Xalorian et Tiberius vers 23h. Et après, sinon, le prochain stream, ce sera probablement jeudi ou vendredi. Justement, c'est l'heure. Donc, on arrête la vidéo là. Pour cet enregistrement-là, en tout cas, on continue le live. Donc voilà, merci à tous de nous avoir rejoints. Attends, je vais mettre en pause parce que... Voilà. Merci à tous de nous avoir rejoints pour ce nouvel épisode. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à ma chaîne, d'aller jeter un œil à la chaîne de Xalorian. Et voilà, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Toi, voilà.